Salut Jean-Paul. Il semblerait que dans ce village de Gonfaron, il y aurait une légende qui dit que les ânes volent. Tiens, présente-toi un petit peu, s'il te plaît. Eh bien, je suis Jean-Paul, je suis un retraité de la gendarmerie. J'ai fait 30 ans de moto, voilà. Et puis, on est venu se retirer au pays des ânes qui volent. Et quelles sont tes activités en tant que retraité professionnel, si on peut s'exprimer ainsi, sur ta commune? Ben, professionnel, c'est pas du professionnel, c'est du bénévolat surtout. C'est d'aider beaucoup de personnes âgées dans le village. Je mettais à disposition mon véhicule pour les amener chez le docteur faire des courses. Puis je participe au budget des écoles, je participe au CCAS. Voilà, je trouve que c'est déjà pas trop mal, quoi. Et quelles sont tes recommandations pour passer une bonne retraite ? Oh, passer une bonne retraite, déjà, il faut la préparer. C'est-à-dire qu'il faut se dire que on va quitter le monde professionnel, on va quitter beaucoup de gens qu'on croyait qu'ils étaient amis, puis en fait ils étaient amis parce que j'étais gendarme. Et d'autres, au contraire, ils sont toujours là depuis tout le temps. Donc je fais beaucoup d'activités physiques, du vélo route, et puis un petit peu aussi à l'occasion de la moto, voilà. Et dis-moi Jean-Paul, quelles sont les choses à voir sur le secteur ? Sur le secteur, on a notre chapelle de Saint-Guy à Notre-Dame-des-Anges, avec une belle chapelle. On a reporté notre village des Tortues sur Carnoule, voilà. Ok, ben merci papa pour t'être prêté au jeu.